Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre de Léa. Je filme debout, c'est pour vous montrer ma dernière réalisation. Donc c'est une déco murale. Alors, je suis partie d'un bout de bois et j'ai utilisé beaucoup de laine. Donc ici, on a une petite rose. J'ai fait une tresse avec de... Enfin, j'ai fait deux tresses avec de la laine blanche et grise. Et j'ai terminé par une plume. Ici, on a des rubans de chaque côté. Là, on a une découpe à trappe rêve. Ici, on a un tissage comme pour le macramé, en fait. Et j'ai collé des roses. Voilà, donc là, il me reste à faire la deuxième plume pour ici. Et voilà la déco que ça donne. C'est plutôt sympa. Donc, pour accompagner cette décoration... Donc ça, c'est un envoi qui partira à quelqu'un dont je tairai le nom. C'est la surprise. Donc il y a ce carnet avec une découpe. J'ai remis la découpe à trappe-rêve. J'ai remis les roses blanches. Voilà. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer une dernière création que j'ai faite. Alors je vais me décaler un petit peu. Hop, voilà, comme ça ressort très bien. Donc c'est une sucette et en fait j'ai utilisé comme papier de fond, j'ai utilisé du papier rose que j'ai découpé avec les dailles, avec les trous. Et tout le tour, j'ai passé un ruban. Voilà, ce qui donne du relief à la carte, c'est plutôt sympa. Et j'ai fini par un nœud, tout simplement. Voilà. Alors, je suis désolée, ça bouge, hein, j'ai la tremblote. Donc, je voulais remercier les filles qui ont fait leur envoi pour Léa. Laurence, ton courrier est bien arrivé, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!